Et salut à tous, c'est Axel, on se retrouve dans CSGO. Alors là je suis dans une map qui s'appelle Mirage. Et je sais qu'elle existait déjà avant, mais elle a été bien modifiée je crois. Et honnêtement je me rappelle absolument pas de comment elle marche. Donc pour l'instant je sais pas du tout où regarder. Donc bah, on va jouer un peu au feeling. Waouh. Waouh. Il y a des headshots qui partent dans tous les sens. Donc, alors, Mirage, comment c'est? C'est une map un petit peu genre... genre désert. Mais comment elle est déjà? Ah, je me rappelle pas. En fait, le truc, c'est qu'il garde... Waouh, bon courage, mec. Il garde les tunnels, la façon dont elle est présentée globalement. Mais il change tout, tout, tout. Il rajoute des trucs en plus. Et ça fait que là, honnêtement, je suis complètement perdu. Alors attendez. Donc on a un spawn. On peut partir à droite ou à gauche. Moi, je vais aller à droite pour voir. Ok, un escalier. Ensuite, il y a ça avec bomb sight. Bon, ça, ça rejoint ici. Apparemment, c'est un endroit sensible. Et là, on peut aller dire bonjour à... Excusez-moi. Ok. Wow, il s'est pris quelques balles, lui. J'ai pas envie de mourir tout de suite, je veux voir à quoi ressemble cette map. Donc, ok, là, ça croise par là. Là, ça a pas l'air d'être glorieux. Par ici, j'entends un... Ah! Je suis sûr qu'il était à plus grand-chose, c'est pour ça que je me suis dit... Ce serait top de l'avoir parce qu'il a une... J'avais entendu en fait la M4A1. C'est M4A1 ou pas? Histoire de régler ça une bonne fois pour toutes. Si, je crois que c'est ça. Bref, peu importe. Donc le... cette arme, avec le silencieux, c'était forcément un CT. Je lui ai mis quelques balles, donc j'aurais pu peut-être... Il me restait une balle, je crois, dans le chargeur. J'aurais pu le terminer. Mais je ne l'ai pas fait. On va partir sur la K du coup... c'est 4-2 et on va faire un petit 5-1. Ah mince, j'ai pas changé le modèle. Parce que voilà, je l'avais... Oh, casse-toi. Je l'avais gagné au précédent... Oh, on va aller là-haut. Précédent épisode, j'avais gagné un nouveau modèle pour mon... Wow. Je sais pas s'il y a des mecs qui peuvent arriver par en haut, mais je veux pas... Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent arriver là sur les côtés? Je sais pas du tout. Waouh. D'où il venait lui? Ok, j'ai loupé un truc, j'ai pas compris. D'où venait ce mec? Voilà. Ça le problème quand on connaît pas les maps. Donc, ce que je vais faire du coup pour cet épisode, c'est essayer de comprendre comment la map marche. Il va falloir que je regarde un peu le plan. Donc en fait, on part. Donc, là, il y a les deux camps. Je regarde en haut à gauche là. Non, attendez, les spawns, ils sont pas indiqués. C'est pas les zones vertes, si? Ah, je sais pas. On va regarder. On a quoi comme team là? Ça va, c'est qui? Si, si, c'est les zones vertes. Moi, je veux pas m'occuper de la bombe dans un premier temps. Ça ne me sied pas du tout. Allez. On va essayer. Donc, B, c'est ici. Je vais essayer du coup de demander à ce qu'on couvre. No. Vous savez quoi? Si je vais tout droit, ça va pas le faire. Je vais essayer de faire ça et de... aller là où tout le monde est. Une grenade qui est partie. Ok. Je vais plutôt essayer de me diriger par là. Il y a un mec juste là, je crois. Ok. Non, non, non. Non. Excellent. Allez, pas de bruit. Ok, allez, on y retourne.
No. C'est bête ce que j'ai fait. C'est bête ce que j'ai fait, sortir le couteau, ne pas me retourner pour essayer de choper le gars, c'était pas une bonne idée. Bon, c'est pas grave. Bon, la bombe part par là. Oh putain, j'aime pas le... Voilà. Donc le couloir, ça a pas l'air d'être la bonne idée. Ça, c'est la bombe. Ok. On va avancer un peu par là, voir ce qui se passe avec lui. Ah ok, faut regarder à droite là. Wow. Ok, la bombe est là. Je vais rester avec la bombe, je vais faire mon boulot. Ok, du coup je vais avancer un peu. Reviens, reviens, reviens. Laisse-moi te mettre quelques balles. Allez, on y va. Je pense qu'on peut aussi être... Il y a des mecs sur les toits là ou pas? Là-dedans, non? Je vais lancer une grenade là, je sais pas trop si c'est possible qu'il y ait un gars là. Je crois qu'il y a un mec en bas là. Oh merde. Je l'ai laissé crever malheureusement. Oh non! Ça, oh, j'ai lâché l'affaire, je croyais qu'il était mort. Mince, je l'avais là. J'avais l'avantage sur lui quoi. Oh mince. Bon, c'est pas grave. Oh, lui, il est au taquet. Un mec invisible. Ah, il y a un type là-bas. Ah, la bombe, elle est posée juste à côté de B. Il y a un ennemi là. Ok. Ça attaque à droite. Ouais, voilà. 4 grenades pendant cette manche. Ça veut dire qu'il faut... Bon, je vais avec la bombe du coup. La bombe elle va... Je sais pas trop ce qui se passe ici en fait. Je crois que les gens ils peuvent arriver par la gauche. Là-bas, là, il y a un mec. Mince, je lui ai mis combien? 58 en deux coups. Et lui, 133 en deux coups, donc c'est vraiment la problématique de où on vise. Après, est-ce que j'avais pris un Kevlar? Je sais plus. Je crois que oui, puisque j'ai fait reprendre le même qu'avant. Ah, il a un... Alors, je vais regarder vite fait si je peux pas changer ma skin. Y a pas inventaire, un truc comme ça? Inventaire désactivé lorsque vous êtes en vie. Je suis pas en vie. Peut-être qu'on peut juste pas changer son inventaire pendant, une partie. C'est dommage, j'aurais bien aimé prendre la K personnalisée. En fait, c'est juste des skins qu'on gagne en jouant. Puis après, on peut les changer dans le... Allez, vas-y, vas-y. C'est bien. Ah, ça, c'est bon. C'est bon de connaître ces petits tips, là. Ok, il plante, c'est cool. Bon, qui a d'autres? Alors, c'est bien parce que ça a été planté en B, mais il y en a qui restent en A, au cas où. Ah. Donc là, par exemple, ils leur font... perdre un peu de temps a priori. Ça c'est une bonne stratégie. Ah c'est bon, on va gagner. C'est sûr. Il en reste que deux, mais même au-delà de ça, je pense qu'ils ont fait exprès, je sais pas, hein, mais de voilà, de couvrir. Qu'il y en ait un qui couvre. Ça c'est un snipe que je prendrai jamais. Garde ton arme toi. De toute façon ils sont tous. Si elle explose, on gagne. Non. C'est la première... Ok, je vais refaire une... Je vais la refaire bien et... GSS c'est quoi? Ah oui, c'est une flash tout simplement. Je vais avec la bombe. J'essaie de suivre la bombe. Comme ça, j'essaie d'être utile à la team un peu plus que pour les précédentes parties. Donc déjà, la bombe, elle a l'air d'être un petit peu... Bon, il a l'air d'avancer un peu trop. Wow. Alors, si je colle sur la gauche, il y a peut-être moyen. Voilà, déjà. Non, 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 la grenade là. Est-ce que je peux pas... Oh, dur ça. Recule un peu. Ouah, incendiaire. Donc là, je suis en train de brûler, donc je me casse. Voilà. On a expérimenté ce que c'était de... Donc on repasse par le spawn, c'est jamais bon signe quand même de... Bon, contourner, remarquer, pourquoi pas. Hein. Faire attention.
la bombe descend. J'ai dit je reste avec la bombe. Allez. Lui, il a l'air de vouloir y aller mollo. Je vais essayer de le couvrir. Il longe le... Laisse-moi avancer, laisse-moi avancer. T'as la bombe, mec. Ok, vas-y. Derrière, derrière. Mince. Non? Si, c'était derrière, c'était derrière. Ah, ça, c'était derrière. Bon, il plante, c'est bien. Il plante une bombe à un endroit où il y a plein de bombes, déjà. Ça va faire mal. J'aimerais bien l'avoir explosé. Ça, c'est une drôle d'arme qu'il a. C'est un... Je crois que c'est un snipe à répétition. Bon, on va voir s'il l'utilise. Et lui, il a toujours pas de... En bas à gauche, là, dans le chat, on voit qu'il y a un mec qui parle sans pseudo. C'est vraiment space. On est à 13 contre 13, ouais. Ah, mais 5-1, on se fait exploser. Alors en fait c'est parce que j'enregistre tous les épisodes à la suite là. Et enfin les 3 là en tout cas. Et du coup les... je suis toujours dans la même team. Je pourrais essayer de changer mais tant que c'est pas... Tant qu'il n'y a pas un problème de... Allez tu vas où? À droite. Ouh, il n'y a pas grand monde qui va à droite avec les bombes. Allez je vais venir avec lui. Parce que là il a l'air d'avancer pas mal. C'est le deuxième là. C'est celui-là. Le gars il rush avec la bombe. C'est merveilleux, bravo. Je sais pas trop comment ça marche. Ah ouais, non, là-haut, là-haut, là-haut. Arrête, arrête. Je crois qu'on peut être là. Il peut y avoir un mec là. Ah super, ta flash. Vas-y, attends. Wow, wow, wow. Est-ce que je peux pas monter là-dessus? Ce serait marrant. Non, je peux pas. Wow, wow, wow. Non! Non, 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 non. Alors là, je suis pas d'accord. Ouais, 33 en deux coups. Ah mince, et du coup il a droppé la bombe. C'est bizarre parce qu'il avait lâché, je crois. Piou piou piou. C'est difficile quand on connaît pas les maps parce qu'on connaît pas tous les petits spots à cover, les petits spots où on peut se planquer, les endroits où on peut tirer à travers les murs. Tout ces... Il y a un mec sur le dessus, ok. Ah, ils sont quoi? Ils sont 3 ça? Ouais. 3 contre 3. C'est... Ouais, 3 contre 3. Ah, il vient de tuer deux mecs là, Blue. Ah non, ils sont à 2. Ok. Ah bah c'est, non, c'est lui, ils sont pas deux. Je croyais qu'ils étaient deux. Parce qu'il a un pseudo un peu long. C'est lui qui a la bombe. Non, c'est pas lui qui a la bombe. Ah, faut qu'il récupère la bombe, hein. Oh bah non, c'est fini en fait. C'est terminé. Le timer, regardez en haut. C'est con. Et un mec qui s'est fait tomber. Bah justement, le type que je regardais, il s'est fait tuer juste sur le... Oula, 3009, c'est pas beaucoup. Attendez, on va essayer de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Oh la bombe, il est quasiment tout seul devant, arrête. Ah non, il a drop en fait. C'est très bizarre, le mec il a rushé, il a drop et c'était fini quoi. Donc là... Je vais pas rusher, j'aimerais bien les poser une bonne fois pour toutes. Donc c'est 5 hein, pour poser. Enfin... Que c'est? Trop bien! Ouais. J'aimerais bien les poser. On est que deux là, s'ils se font buter, faut que je parte en arrière. Faut que les autres avancent. Parce que moi avec ça je peux pas tirer long, à longue portée quoi. Sors. Voilà je pose. Je pose et je cover.
je cover de là, je pense qu'ils peuvent arriver par là. Alors, est-ce qu'il y a un... J'appuie sur T, mais... Normalement, on a un spray. Ah, j'aime pas ça, vas-y. En fait, juste avec le... Ah, je suis jamais allé là-haut, je crois. Allez. On va regarder ce qu'il y a là. Ah, si, 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 j'ai déjà vu ça. On peut se faire allumer, c'était là que je m'étais fait allumer bizarrement, j'avais pas compris d'où ça venait. Ça venait peut-être de là, non, je pense pas. Vous entendez là le... La M4. Wow, excuse-moi. Je vais pas rusher, je connais pas la map, je rush pas. Donc la bombe elle est là-bas, elle a été droppée, donc peut-être y aller, faire le boulot quoi. Donc là, il y a un pote qui a été tué. Ok, c'est bon, la bombe elle repart. Oh, bien. Vas-y, 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 go, go, go. Allez, on va poser. Là-haut. Wow, je vois rien, je vois rien. Là-bas. Ouh, j'ai foutu un headshot, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'était un peu lucky quoi, mais... Là-bas, non? Wow. Là, y'a un mec. Juste là. Ah, non, ça c'est moche. J'avais commencé à tirer à travers le mur. J'ai mis 68, donc bon... J'ai un peu contribué à la team, dans la mesure où, voilà, il vient de mourir. Lui, c'est bon, donc c'est bon. Je pense que c'est fait. Ouais, voilà. Ils sont deux, la bombe, elle est sur le point d'exploser. Ils sont là organisés. Trois, même. Ouais. Ok. Parfait. Bah ça, pour moi, voilà, je suis mort, mais c'est pas grave. J'ai contribué à la team, pour moi, donc c'était une bonne... Une bonne partie. Bon bah c'est parti, on change d'équipe. On passe CT 6-4, donc ils sont plus... c'est un peu plus équilibré que pour les précédentes. Donc c'est parti. Alors là je connais pas du tout le camp là. Donc pareil, A et B, A et B, A et B. Je sais pas où je vais. D'accord. Ouh. Vous avez vu? A mon avis, il peut y avoir des gars qui arrivent par... par là, ouais. Excusez-moi, j'ai mal visé, là. Wow. Bon, j'ai tué un mec au couteau, donc normalement, ce sera affiché à la fin. Ouais, il y a des chances. Ouais, ok. Bon, B, ça a l'air pas mal pour cover. Bon, je vais avancer un peu. Allez. Mec, au fond, c'est quoi? Ah, j'ai vu une tête, là. Oh! Waouh. Ah oui, il nous a tué. Alors, il m'a tué avec... On peut acheter ça? Ouais. En fait, c'est un risque à prendre, mais au début, on commence avec un montant qui fait que, concrètement, on peut quand même acheter des armes tout petit peu au-dessus, vraiment les premiers niveaux. Qui peut aider, mais si tu perds, ah par contre, t'as vraiment plus rien pour commencer l'autre, et du coup, t'es un peu en décalage, quoi. Donc si tout le monde se met à... Enfin, faut avoir des stratégies, quoi, mais c'est soit t'éco, soit t'éco pas, mais dans ce cas-là, faut être vraiment convaincu, et faut vouloir gagner, quoi. Parce que si tu gagnes pas une manche où t'as pas éco à la première, t'es obligé d'éco à la seconde, et limite à celle d'après, t'as pas l'argent pour te payer la grenade en plus, le kit de désamorçage... Enfin, etc. Tous les trucs. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, bah ça, c'est Q pour toi. Et lui, il est AFK. Super. Bon, j'allais taper quelque chose, mais j'ai rien à dire. Alors. Bon, voilà, on va pouvoir s'acheter
Non, on va passer sur le MP7, je pense. Peut-être juste au moins le gilet en Kevlar. Qu'est-ce que tu fais, toi? Wow! Oh non, ça c'est moche. Je pensais que j'aurais le temps de dépasser là, parce que je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient arriver par la droite. Bon, bah ça, désolé, c'est moche. Donc, bon, voilà, j'ai gâché mon MP7. C'est pas grave, on va se mettre sur qui? On va se mettre sur... le mec qui a un pseudo vide. Il est où? Il est là. Avec son couteau. Je crois que c'est parce que la bombe est à ses pieds ou pas? Non, non, il n'y a pas la bombe à ses pieds. They're in A. Ok. Wow. Bah oui, elle a été plantée en A. Je sais pas pourquoi il est resté là, lui. S'il arrive à se faire les deux. Ouais, l'autre était AFK, je crois. À gauche, non? Snipe. Oh ouais, dur. Non, on se gagne. Oh, bien. C'est quoi ça? C'est le T250? C'est bien les armes custom. Moi, je trouve que c'est stylé. Ça apporte pas grand chose pour l'aspect compétitif. Parce que voilà, ça sert à rien. Et au niveau des skins aussi, je me pose la question de... Oh, bien joué, ça c'est bien joué. Ah, typiquement, lui il connaît la map quoi, voilà. Qui savait que s'il passait derrière. Ah bah on a gagné. Ou non, on est CT maintenant, mince. Vous savez quoi, je vais écho. Je vais juste prendre un. Alors 5-7. Il est marrant parce qu'il a un débit vachement élevé quoi. Mais je crois qu'il s'étale pas mal, il me semble. Les trois premières balles, ça va. Alors là, ils peuvent me tuer à travers hein, normalement. Donc je vais reculer. Non, je peux pas reculer trop. Waouh. Vite, vite, vite. La crise là. J'ai buté un mec. En écho, plus ou moins écho. Ah, il a pas l'air content. Ouais. Regardez. Indeed. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme team? On est à 6 contre 12. Y'a pas un mec juste à droite là? Ok. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, c'est bien. Allez, un autre. Allez, tu peux le faire. Non, à 16, tu peux pas faire grand-chose. Là, ouais. Ouh, c'est une drôle d'arme, ça. Ah, c'est Log, ok. C'est la Sterog, je crois. C'est fini pour toi. Bon. Ouais, ouais. Ça, c'est encore une fois pour l'hétéro. Oh, il est tout seul. J'aime bien son gun, il est sympa. P250 stat track. Est-ce qu'on peut custom soi-même ses armes? Je sais pas. C'est possible, peut-être. Bon là j'ai du cash donc on y va. J'ai pris une incendiaire, je sais même pas pourquoi. Bon, comment ça se répartit? Ok, peu importe. Alors je vais pas faire la même erreur que. Holy. Vous savez quoi, je vais tenter là-haut. Casse-toi. Je vais essayer éventuellement de me mettre ici. J'ai l'impression que ça arrive par là. T'es où? Monte ta petite tête. Ça arrive derrière. Ouais, là je... Bah justement le gars il m'a tué par la droite là je crois. Ouais voilà ça. J'attendais de le voir. Le truc c'est que ce qui est compliqué c'est quand on voit qu'on se retrouve tout seul dans une zone, on peut pas continuer à se focaliser sur
un endroit à couvrir une entrée. Donc c'est ce que j'aurais dû faire là pour le coup, bien sûr. Mais sauf que, a priori, les mecs ils pouvaient arriver au milieu aussi. Donc bon, pas facile. Ok. MRO.MP3. Ça c'est un bon pseudo. Intruder. Ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que c'est lui? X-Man Chong Chong Game Imperial. Ok. Là. J'aime bien son AK à lui. C'est la Fear Me de Fear. Donc à mon avis on peut les custom si. Et après on peut aller les acheter sûrement sur une sorte de store. Ah, je ferai un petit tour là-dessus. Peut-être à la fin de cette vidéo je vais voir vite fait. Ok, 5000, point décisif, on s'équipe. Point décisif, je crois que... Quoi, c'est la fin sinon, c'est ça. Ça se fait en combien? En 11? Je connais pas les jeunes, mais je suis complètement... Ok, tout le monde meurt ici. Je veux pas aller là. Et là, à mon avis... Il y a les mecs qui vont arriver là-haut, je pense. Non? Ah non, à moins que ce soit... Ah non, non, non. Je suis con. Par contre, là-haut... Je peux couvrir en... Wow! Donc, ok, il y a un mec là-haut. Je peux attendre un peu, éventuellement... J'ai envie de la faire un peu safe. Ça va arriver par là, je pense. Ouais, je vois des mecs. Mais là, je vois rien, donc... La bombe est à gauche. Donc, faut cover ici. Ok, je pense qu'on est pas mal. C'est quoi, ça? Non, c'est un pote à moi. Ça arrive par la droite. Ok, il y a un mec qui vient de mourir. Un terreau. On est bien là. J'ai entendu un bruit à droite, mais je crois que c'était mon pote. Il y a un de mes potes qui est là. Voilà. Je vais aller voir vite fait ce qui se passe ici. Wow! Ah, dommage. Bon, je lui ai mis quelques balles. Et il reste combien de gars? 2. Donc c'est zombie. Zombie, il doit pas être à grand chose. That is one jazzy gun. Ok, il reste plus que zombie, c'est bon. Ah, je lui ai pas mis de balles, c'est marrant parce que regardez en haut à droite, non, il n'y a pas écrit accept gaming. Ok, 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 ok. Point décisif encore. Tout est décisif dans le jeu, c'est incroyable. Yes. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Je sais pas trop comment on couvre. Alors. Si, ils peuvent arriver là-haut. Il va en avoir un là. Il y en a un, casse-toi, casse-toi, casse-toi. La bombe arrive là. La bombe est au sol. Ça va arriver. La bombe est toujours au sol, faut que je coupe. Ah putain, je le savais. Enfin, je savais pas qu'il était à l'EWP, j'avais pas vu. Mais comme la bombe était au sol, je voulais quand même revenir rapidos avant qu'il la reprenne. Et je me suis fait sniper par un mec qui est quand même bon. C'est un des... Voilà, c'est le mec qui lead chez les terreaux. Bon, bah ça va être encore un échec là sur celui-là. C'est pas dramatique. Bon, quoique 6. Non, 5, 6. 4, 6. Ouais, bon. Ça sent mauvais. Tire dans le mur. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Là, oh. Bon, en fait, il fait vachement de... À droite, à droite, à droite. Ah, il est bon, hein, il a des réflexes. Mais pour l'instant, il touche pas trop, quoi. Ah, dommage, il avait le curseur sur sa tête, quoi. Il a juste pas eu le temps de tirer. C'est dommage. C'est vraiment bien le mode spectateur. On voit les grenades qui se promènent à travers les murs et tout. Oh là 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 là. Ils sont combien? 4. 4 contre 2, c'est jouable. C'est juste qu'il y en a un, il est AWP. L'autre, AWP. Donc, ça me paraît un petit peu. À part, encore une fois, s'ils sont bons, c'est sur sa droite là. Ah, c'est mort pour lui, je pense. J'aime bien son.
Ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, il est tout seul. Pas facile. La bombe, elle est en A ou pas? Je sais plus. Ouais. Ok, alors je sais pas ce qu'il a fait là. Bon, bah voilà. Ça va être tout. J'ai gagné une capsule à sticker communautaire. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, pour finir cet épisode, on va revenir au musée. J'attends juste que ça explose, voilà. On va revenir au menu principal. Hop. Et on va juste regarder ces trucs-là que je viens de gagner. Alors, clé de capsule... On peut acheter des trucs, en fait, il y a des achats intégrés. Ça, c'est pas terrible, quand même. Voilà, inventaire, deux nouveaux objets. Caisse d'armes. Alors, il dit que ça a été placé dans mon inventaire. Ok, donc, caisse d'armes chasseur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez utiliser une clé de cache chasseur pour ouvrir ce conteneur. Donc ça contient l'un de ces objets. Mais sauf que pour pouvoir l'ouvrir, il faut que j'achète une clé. T'es sérieux? 1,80? C'est n'importe quoi, j'en veux pas de tes trucs. Et ça c'est quoi la caisse e-sport? Pareil, faut payer pour l'avant, ils sont complètement barjots. Il y a des gens qui font ça. C'est quoi ça? Contrat d'échange. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce que c'est un contrat d'échange que j'ai eu? Je crois que l'autre truc c'était ça, non? Équipement. Non, dans l'inventaire. Alors en échange de 10 objets de valeur identique, vous recevez un seul objet de qualité supérieure. Ah oui, c'est ça aussi qu'on peut faire. C'est avoir des caisses comme ça et les revendre finalement. Donc si je fais ça, voilà, là j'ai pas assez. Ouais. Je pense que je vais pas trop m'amuser avec tout ça, d'un parce que j'ai pas envie de dépenser d'argent pour avoir des objets, c'est un peu débile. Enfin c'est un peu débile, ça m'intéresse pas. Ah oui, il y a l'AK aussi par contre, c'est celle-là. Là je peux faire remplacer et examiner. Donc ça c'est l'AK maillage safari que je viens de que j'ai déloqué à la précédente partie. Donc c'est pas mal, enfin bon voilà, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine fois. Enfin, on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut.